Salut à tous, c'est Baïsanka, donc on est sur la saison 10, ça vient d'arriver tout à l'heure. Je vous ai présenté toutes les nouveautés de cette saison 10 dans la vidéo. Je vous mets le lien de la vidéo dans la description. N'hésitez pas à aller la checker si vous voulez voir tout ce qui est arrivé avec la mise à jour du coup, mise à jour 10.0. Elle est juste énorme. Vraiment beaucoup beaucoup de nouveautés. Là dans cette vidéo on va voir ensemble le pass de combat, donc je ne l'ai pas encore acheté. Avant ça, n'hésitez pas à aller dans la boutique et rentrer le code créateur. Tout s'est enlevé et il y a un bug apparemment, dès que vous lancez une game, le code créateur s'enlève. Donc avant de prendre le pass de combat, n'oubliez pas le petit code créateur Baïsanka qui fait plaisir, on accepte. Et ensuite on passe direct du coup au pass de combat qui est juste ici. Donc achetez le pass de combat, ensuite je vais vous montrer comment que ça se passe. Pack de combat donc amélioré, 2800 V-Bucks, on connaît, on achète, hop là juste ici. Et on va débloquer du coup direct pas mal d'items, de skins, de danse et ça fait plaisir. Passe de combat amélioré, tout d'abord du coup 50% de bonus d'XP personnel. On va pas cracher dessus. Ici, bonus d'XP pour les amis, 60%. Le premier skin du coup, déclic avec des variantes qu'on ira voir juste après. Je pense que c'est le skin nomade féminin. D'ailleurs on voit un peu avec les couleurs, hein. Il y a beaucoup de doré et beaucoup de rose. Ensuite ici du coup, maître occulte. Le skin roi de la rouille avec une variante différente, beaucoup plus classe. Du coup, il est plus rouillé ce skin là. Il est propre et il est magnifique. Ensuite, ici du coup, défi du pass de combat. Donc, c'est des nouveautés qui vont arriver. Je vais vous les présenter juste après. Ici, on a du coup... Oh putain, pas mal. L'aérosol de la fusée. Magnifique, je pense qu'on va avoir beaucoup d'items et d'objets en souvenir avec toutes les saisons qu'on avait avant. Donc, l'aérosol de la fusée. Bonus d'XP du coup, 10%, ça fait plaisir. Ici, bonus d'XP personnel, 30%. Ici, le petit émoticône chevaleresse rouge, rodéo sur fusée, écran de chargement, trop stylé. Ici du coup, camouflage, revêtement, camouflage, émote. Ah ouais, d'accord, on a plein de petites danses du coup sur l'arme, c'est pas dégueulasse. Ok, la traînée popcorn, profitez du spectacle. Ici, bannière de la base atypique. Ah putain, l'œuf du dragon. Ici, ferrailleur. Ok, donc ça je pense que c'est le planeur qui va avec le skin roi de la rouille. Ici, bombe boogie woogie en émote. Là on a l'aérosol cryo dragon. Pas mal aussi, du coup l'événement de la saison 7 si je dis pas de conneries. Bonus d'XP pour les amis, 10%. Écran de chargement en tenue, franchement. Genre imagine ce cadre chez toi, magnifique. Ah, créé par Hydro74, ok. Putain, ça a été créé par un joueur. Ah ouais, gros GG à lui. Ah, musique, bataille finale, vous avez été nombreux à la vouloir. Je vais voir si je peux la mettre. Non, bah non, j'ai le son qui est coupé. On ira la voir juste après. Bannière de la base atypique, du coup, je pense, de la saison 2. Non, même pas X1, ok. Ensuite, ici, tralala. Petite danse en mouvement, donc vous pouvez vous déplacer en faisant cette danse. Ça, c'est trop kiffant. Ici, aérosol, moistimir. Ah, je vous ai dit, plein de souvenirs dans ce pass de combat. Outil de collecte, fendeuse cosmique, du coup cette fois-ci en double, double pioche. Ici du coup, nomade urbain, écran de chargement créé par Aaron Kraton. Putain mais ils ont un talent fou les mecs. Bonus d'XP perso du coup de 10%. Là on a la bannière du coup de la faille, aussi un événement d'une saison précédente. Les mots de casse-noisette. Ok, l'aérosol, feu et glace, le combat du coup entre le roi des glaces et le roi du volcan. Ici la traînée, faille fulgurante, revêtement chevaleresque. Franchement, il y a des trucs vraiment pas dégueulasses. Un écran de chargement étincelle créé par Jim Mahfood. Ils font des bêtes de trucs, j'ai envie de les acheter limite ces trucs là et les mettre dans mon bureau. Graffeuse de Tilted, ah ouais, bien, avec des styles différents. Donc je peux pas vous les montrer, on ira les voir juste après. Ici, bonus d'XP pour les amis. Là on a l'émote popcorn. Ici, l'aérosol papillon. Donc pareil, la faille t'as des événements. La bannière de la base atypique, le cube. Ici 400 V-Bucks, ça fait plaisir. Et du coup, là ensuite, ça c'est tout pour les premiers paliers que j'ai achetés. Ensuite, on va acheter des paliers, du coup, juste ici. On va essayer d'en acheter un max. Hop là. Moi, je pourrais pas aller jusqu'au palier 100. Malheureusement, j'ai pas réussi à faire la mise à jour avec ma queue de merde. J'ai pas réussi à faire la mise à jour. 10 000, bah, il va me dire que j'ai pas assez là. Il est teubé ou quoi? Bah ouais, ils sont cons. Combien? 2000, je peux monter jusqu'à 2000 du coup. Alors on va monter jusque là, acheter. Je vais vous présenter tout ça et ensuite on ira voir le reste du coup dans le pass de combat. Et malheureusement du coup j'ai fait le con, j'ai une queue de merde et j'ai pas réussi à avoir du coup la mise à jour sur la PS4 à temps. Donc où c'est, on en était où? Tac tac, popcorn on a vu, les... ah voilà, juste ici maintenant. Du coup, cutscene avec des variantes qu'on ira voir juste après. Écran de chargement, les câlins débarquent, créé par Yann Jepson.
Ils sont magnifiques les écrans là. Hop, sauver des vies. Ici, le planeur, peinturlure. Ah ouais, pas mal. Une petite danse en mouvement sur le fil. Ils font de plus en plus de danse en mouvement et ça c'est sympa. Ensuite, on a quoi d'autre du coup? Ici, XP. Ici, la bannière du coup du voyageur. 200 V-Bucks. Ici, camouflage égaliseur. Ah ouais, pas mal. Fait partie de l'ensemble Folie des Platines. Ici, on a quoi? Atypique. Ah ouais, un dur sous les étoiles. Créé par Timothy P. Doyle. Et un deuxième. C'était qui l'autre? Ah, j'ai pas pu voir, dommage. Ici, bouteille à lancer. Sûrement pour des prochains défis. Sacoche accérée. Ok. Soldat à facettes, du coup, aérosol, planeur compile. Qui est magnifique, il ira sûrement avec l'ensemble Folie des Platines. Ici, du coup, on a le bonus d'XP. Ici, on a, du coup, Gang de la Tomate, créé par Jim Mahfood. Ah ouais, lui, on en a fait plein, ouais. La bannière, du coup, du lama, 100 V-Bucks. La petite traînée rythmique. Ah, le petit piment sympa. Ouais. Donc, pareil, Kitsune, du coup, en version neige. Écran de chargement créé par Kiptoe. Qui est magnifique, ils sont tous magnifiques, vous devrez les vendre en cadre. Ici, bulle de savon, petite émote gratuite. Le skin du coup, platine, le DJ Lama avec plusieurs variantes qu'on ira voir après. Ah bon, on peut les voir, 2 sur 6. Ensuite, on va passer à la 3 sur 6. Franchement, il a même la veste égaliseur comme ça, magnifique. 4 sur 6, 5 sur 6. Et on finit avec la dernière du coup, la version 6 sur 6, magnifique. Là, on passe du coup ensuite 10% de bonus d'XP. L'aérosol Risky Reels. Enfin, terrible. Alors, on a un petit son, classique origine. Ici, une bannière, 100 V-Bucks. Ici, trio fluo. Franchement, pas con. Pareil, magnifique, ça tu l'encadres, tu le mets dans ton bureau direct. Là, on a bouteille chic, pareil, à lancer, plutôt à plat ou gazeuse. Petite bannière. Là, le skin platine sans masque. Alors, lui aussi, il est stylé. Là, on a une pioche, faux étincelante. On a quoi d'autre? Voilà. Bonus d'XP, 10%. Ici, écran de chargement, jamais plus. Ici, épée croisée, donc en émote. Ici, petit graffiti, rune de Kevin. Les V-Bucks, là on a le revêtement du cube, les potes pour les armes. Magnifique, petite bannière. Écran de chargement, du coup, pleine puissance. L'aérosol, carte de Tilted. Et du coup, je pense que c'est l'ancien Tilted, regardez. Avec ici, la croix du bâtiment qui a toujours pris cher au fur et à mesure des saisons. Montchalante, petite danse, du coup, pareil, qu'on peut faire en se déplaçant. Ici, XP personnel, toujours Kitsune du coup en noir. La fresque de casse-noisette créée par Muti. Altitude, ah, c'est ça que j'ai vu du coup. Plus vous allez descendre, plus le chiffre va descendre. Calculez votre chute, et ça c'est pas mal aussi. Du coup, petite bannière, 100 V-Bucks. Ici, le skin étincelle. Regardez les variantes de ce skin. Donc du coup, soldat à facettes, un peu remake. Regardez là, franchement elle est trop stylée. Par contre, j'espère que tous ces skins animés avec des effets, ça va pas faire plus laguer le jeu. Ici du coup, bande stellaire, ah ouais, sac à dos du coup, démon de la danse. Ici, l'aérosol de scie détruit. Ah ouais, l'impact de la météorite. Bon, de l'XP. Ici, écran de chargement, danse, ah non, dans les flammes. Ici, on a le skin du coup, étincelle, coupe carré, des V-Bucks. Ici, un planeur, mais du coup, on va pouvoir modifier, regardez, style à déverrouiller. Je pense qu'on peut choisir les couleurs. Ah ben regardez, style 1. Et ici du coup le style 2 en vert et en bleu. Ensuite ici émote radio cassette. Acrobatique. Essayez de ne rien vous casser. Pas mal, pas mal. Ensuite palier 80 du coup. Écran de chargement bas les pattes. De l'XP. Ici la traînée céleste. Des V-Bucks qui font plaisir. Revêtement rafistolage. Vachement stylé. Putain regardez les enfoirés. Émote double pompe. Peut-être un retour du double pompe hein, qui sait. Ici, écran de chargement, éruption du volcan. Putain, le skin voyageur éternel. Regardez ça. Putain, on dirait le skin Gemini, les gars. Et voilà, le skin qu'on a vu sur le teaser et le dernier. Aïe, 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 il fait trop mal. Ensuite, du coup, on a ici XP, petite émote sympa, des V-Bucks, une musique, doux rêve qu'on ira voir après. Ici, je vous mets, hop, petit chevalier noir. Voyageur éternel, explorateur. Lui aussi, il est trop stylé. Franchement, ils font mal, les skins. Sur la vague, Ferro Dragon. Putain, encore un planeur du coup à 2000 V-Bucks. Et à la fin, les potes, du coup, ici de l'XP. Le camouflage interdimensionnel, magnifique, des V-Bucks. Le lama platine, mais avec la couronne, celui qu'on a vu du coup dans le premier trailer. Et là, du coup, chevalier ultime en 6 versions.
La première en or, la deuxième en argent. Ici, la troisième en rouge pour la chevaleresse rouge. Ici, du coup, regardez le chevalier noir, pareil, de la même couleur, en doré, en argent. Et ici, du coup, la même chose en rouge. Chevalier ultime, il est magnifique. Et on a aussi, du coup, regardez, le cimier draconien, donc le bouclier, pareil, stylé, qui a des variantes pour chaque skin. Donc franchement, je trouve qu'on a quand même un pass de combat, donc donnez-moi vos avis dans les commentaires. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de souvenirs, peut-être pour ça que je le trouve sympa ce pass de combat, parce que ça nous rappelle énormément de souvenirs. Mais donnez-moi vos avis dans les commentaires, et si jamais vous voulez gagner des passes de combat, il y a deux concours, sur Twitter et sur Instagram, les liens sont dans la description, n'hésitez pas à participer. Le tirage au sort c'est dans 5 jours, on a fait un truc assez rapide pour pas faire patienter les gens qui peuvent pas acheter le pass de combat. Donc j'espère que ça vous fait plaisir, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner pour recevoir les notifs des prochaines vidéos. Moi je vous laisse là-dessus, je vous dis bon game, et ciao tout le monde.